Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 16 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne. Aujourd'hui, j'ai pigé amour de soi. Waouh, amour de soi. Vous savez, vous pouvez rechercher l'amour dans le regard ou les mots de vos proches, de ceux qui vous entourent. Et cette magnifique vibration, eh bien, elle grandit. Elle grandit quand vous êtes proche d'une personne aimée. Sentez que cette source d'amour est et sera toujours à l'intérieur de vous. Comprenez que vous pouvez vibrer d'amour à tout moment de la journée. Alors vous allez me dire, oui, mais comment la ressentir? Eh bien, je vous dis simplement. Simplement en posant une main près de votre petit cœur et en l'écoutant battre. En ralentissant votre rythme et en vous accordant, eh bien, cette pause, en touchant votre peau avec douceur, en vous offrant de l'amour par des mots ou des gestes. N'oubliez jamais que vous êtes un être divin, connecté à cette belle énergie d'amour. Alors, élevez votre vibration pour le ressentir pleinement dans votre petit cœur. Petite question, que pourriez-vous faire cette semaine pour élever cette vibration d'amour? Que pourriez-vous faire? Demandez-vous, que puis-je faire cette semaine pour m'aimer encore plus? Eh bien, attendez que le silence s'installe. Et puis, laissez venir des images, des mots ou des envies. Et choisissez au moins trois actions simples à effectuer. Se dire « je t'aime ». Je t'aime et le dire chaque matin. Faire une promenade ou une séance d'exercice physique. Et pourquoi pas demander à un proche de vous prendre dans ses bras. C'est si simple de dire « je t'aime », de prendre quelqu'un dans ses bras, de sourire, d'accueillir, de s'aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous aimer les autres? En premier lieu, si vous ne vous aimez pas, c'est ce travail que vous devez faire en premier lieu, l'amour de soi. Alors, il est important que vous vous disiez « je peux m'aimer comme je suis ». Bien sûr que vous pouvez vous aimer comme vous êtes. Et vous allez faire ce mantra aujourd'hui. « Je peux m'aimer comme je suis, je peux m'aimer comme je suis ». Et vous le faites en mantra. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? C'est vraiment un très, très, très beau message. Allez, je termine avec le secret au quotidien. Et aujourd'hui, eh bien, l'amour est le plus grand pouvoir que nous possédons. Voyez, le secret au quotidien, c'est par date.
du mois. Et j'ai pigé aujourd'hui amour de soi. L'amour est le plus grand pouvoir que nous possédons pour être en harmonie complète avec la loi de l'attraction. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Plus nous ressentons d'amour, plus grand est ce pouvoir. Plus l'amour que nous ressentons est désintéressé, plus extraordinaire est notre pouvoir. On fait référence à la loi de l'attraction, comme à la loi de l'amour, car la loi elle-même est un don d'amour à l'humanité. C'est la loi par laquelle nous pouvons nous créer une vie merveilleuse. Plus nous ressentons d'amour, plus nous avons le pouvoir pour créer une vie magnifique, remplie d'amour, de joie et d'harmonie. L'amour rassemble, n'est-ce pas? Alors, aimons-nous les uns les autres et aimons-nous en premier pour pouvoir aimer les autres. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.